Sokama. Sokama Bread est une Sokama historiquement axée sur l'artisanat, avec aussi ses spécificités sur les dom-toms, sur toute l'île de France, la Normandie, et nous avons une étendue de projets et de personnes, donc c'est une spécificité. La Sokama, c'est un organisme de garantie qui va garantir une partie ou tout en partie, ça dépend de l'importance du prêt demandé par le futur chef d'entreprise, on garantit une partie du prêt. Donc c'est important, c'est un engagement. Alors, nos dossiers qui concernent les reprises, transmission d'entreprise, et nos dossiers qui concernent des gros dossiers d'installation et de nouvelles personnes qui se mettent dans l'artisanat sont vus, analysés par des professionnels qui sont représentatifs de tous les secteurs de l'artisanat. Un comité, c'est un regroupement d'experts entre un collège, entre guillemets, de banquiers et un collège de chefs d'entreprise. Ça se passe de façon sympathique, mais on a des fois des différends entre les banquiers ou entre les chefs d'entreprise où on sent un dossier mieux qu'un autre. Et donc, il y a un vrai débat qui va s'instaurer. Les projets soutenus par la Sokama sont des projets qui sont locaux et qui sont tout à fait ancrés dans le territoire, qui assure une vie sociale dans les villes, une vie de proximité, comme la Bread le fait au niveau des banques. Voilà. C'est très important de participer à ces comités Sokama parce que en tant que sociétaire, j'ai mes comptes à la Bread, bien évidemment, c'est très important. C'est important que la Sokama soit venue me chercher pour mon expertise, donc beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. Et puis c'est important d'être au démarrage d'une entreprise. C'est des moments importants que le chef d'entreprise ne verra pas, mais nous, pour nous, de se dire que on est à la base, au démarrage de ces entreprises, c'est important, surtout si ces entreprises restent un artisan comme moi qui suis simple cuisinier, ou alors une multinationale. Donc c'est important d'être au démarrage, à l'accouchement de cette entreprise.